Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons le Reveal 16i de chez Humanware, qui est un vidéo agrandisseur transportable, repliable. Voilà comment on le met en œuvre. On déplie la première partie, puis l'écran vient glisser. Ce système nous permet d'avoir un réglage de la hauteur ainsi que de l'inclinaison de l'écran. En façade, nous retrouvons le bouton marche-arrêt, le bouton de réglage du grossissement, les changements de fond coloré, le verrouillage de l'autofocus si nécessaire, et le bouton qui nous permettra de passer de la partie vidéo agrandisseur classique à la partie vocale. Au démarrage, nous passons automatiquement en mode vidéo agrandisseur, un appareil avec une très bonne qualité d'image, une précision qui est propre, c'est une caméra bien évidemment et un écran haute définition. Nous retrouvons les fonctions classiques de fond d'écran par simple rotation de ce bouton. Le grossissement qui nous offre une plage allant de 1 à 45 fois avec un autofocus qui fait correctement son travail. Ce bouton-ci nous permet donc de passer sur la partie vocale. Pleine page. Mode capture. Carrousel principal. Et on y retrouve le carrousel. Le carrousel est l'un des éléments que l'on retrouve chez Humanware qui permet de basculer entre différentes fonctions de l'appareil. Le mode caméra nous permettra donc de lancer la vocalisation d'un document. Nous retrouvons toujours la galerie dans laquelle nous pouvons stocker les photos. Réglage. Les réglages de l'appareil. Galerie, caméra, livre. Des livres audio qui peuvent être téléchargés quand on est connecté en Wi-Fi sur Internet. Calculatrice. Et une calculatrice agrandie. Livre, caméra, mode, capture. Nous voici donc dans le mode capture d'écran. Il nous suffit de cadrer la page dans le rectangle de visualisation et d'appuyer sur le bouton qui représente un appareil photo de manière à effectuer la capture. Vue, pleine page. L'appareil traite l'image. Vue, pleine page. Et nous n'avons plus qu'à lancer avec le bouton play la lecture du document. FIFP catalogue des interventions du FIFP version 8 du 15 janvier 2019, modification page 10. Pour les personnes sortant d'un institut médico-éducatif, IMU d'un établissement. Un petit menu caché nous permet d'appuyer sur play ou pause. ESA qui ne bénéficie pas au moment de la conclusion. Et nous pouvons également faire un appui long sur l'écran pour se mettre en pause. Se déplacer dans le document grâce à l'écran tactile et relancer la lecture à l'endroit que l'on souhaite. Comme pièce justificative pour mobiliser les aides du FIFP dans le cadre du service civique. Page 13. Cet appareil nous permet également d'enregistrer les documents que l'on a pris en photo. Quelques réglages, bien évidemment, pour pouvoir régler la voix et la vitesse d'élocution. Un système qui donc reste très simple à utiliser. Et grâce à ce bouton que l'on a vu au début, nous repassons très facilement sur le mode vidéo agrandisseur. Voilà pour cette présentation du Reveal 16i de chez Humanware. A très bientôt, merci.